Ce qu'il faut retenir ce soir dans l'actualité, tout d'abord 200 pompiers mobilisés pour un gigantesque incendie à Aubervilliers, c'est près de Paris. Oui, un incendie absolument spectaculaire, vous allez voir l'image, incendie d'un camp de fortune occupé par des Roms et qui s'est propagé à deux bâtiments voisins. Ce sont des bâtiments industriels, fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Mais vous le voyez, les images sont très très impressionnantes de cet incendie qui est toujours en cours à Aubervilliers, donc aux portes de Paris. Des images envoyées par des témoins BFM TV. Oula, ça a explosé, tu vois? Ça, c'est le gaz. Oula, on va pas rester ici, là. On va laisser entrer ici, là. C'est la bonbonne de gaz, là. Deux bonbonnes de gaz? Il y avait des enfants qui couraient, non? Qui les a secourus en premier lieu? Je ne sais pas jusqu'à... C'est impressionnant. On est parti en départ normal pour un feu de camp d'installation précaire.
Et à notre arrivée, on avait déjà une superficie de 200 mètres carrés environ du camp qui était parti en flammes. L'effort, il est apporté à ton niveau, mais sur toute la longueur de l'entrepôt. Je répète, sur toute la longueur. Ton point faible, c'est en plein centre de l'entrepôt, c'est bon ? Et à l'heure actuelle, nous avons deux sapeurs-pompiers qui sont blessés légers suite à la chute d'un mur.